Rebonjour, je vais fermer le débat sur la réincarnation et tout ce qui s'ensuit avec cette dernière vidéo. La bibliothèque d'Alexandrie, en fait, qui est en Égypte, pour celui qui ne connaît pas, avec tous les écrits de ce qui a pu se passer de la civilisation égyptienne, en fait, les livres ont été sauvés avant que la bibliothèque ne soit brûlée. On le sait que c'est les Romains qui ont pillé Alexandrie, enfin pillé. Est-ce qu'on pourra vraiment leur en vouloir? À savoir que tous ces écrits sont cachés au Vatican. On sait que l'Église nous a menti, que l'Église est mensonge et tout ce qui s'ensuit. Mais l'Église, tous les curés et tout ça ne sont pas plus religieux que vous et moi, en fait. C'est des personnes comme vous et moi. En fait, ils ont compris le système pour la réincarnation, et c'est pour ça que dans la religion catholique traditionnelle, on ne parle pas de réincarnation, mais du royaume supérieur. Et pour fausser les pistes, ils ont inventé l'histoire de Jésus, Marie, Joseph. Ils vous ont donné les anges, ils vous ont donné tout un tas de choses, en fait, pour ne pas vous mettre sur la voie de ce qui se passe exactement sur cette terre, dans quel but nous sommes ici. Et ceux qui veulent, enfin ceux qui font les religieux, ils ont compris le système de réincarnation, que la réincarnation est une malédiction. Donc ceux qui font, ben ils se convertissent, ils sont devenus curés par rapport à ça, quoi. Ils se sont totalement convertis pour essayer de faire comprendre aux gens que la réincarnation était une malédiction. Mais en fait, ils se sont mal pris sur le sujet parce que plutôt que de voir avec le cœur, ils auraient répandu la guerre, ils ont répandu la division, ils ont fait des rébellions dans tout et n'importe quoi. Le plus juste aurait été de nous dire la vérité, de ne rien nous cacher sur le sujet. Donc voilà, je suis arrivée à où je voulais arriver, à la conclusion de tout. Ma dernière étape que je cherchais, c'était la réincarnation. Dans quel but? Qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très catholique là-dessus. Là-dessous. Pour ma part, mes recherches s'arrêtent ici. J'ai fait le tour, j'ai fait la boucle. J'espère que vous trouverez comme moi j'ai trouvé. Si vous trouvez, si vous avez les mêmes réponses, ce serait bien que vous en partagiez en privé puisque les commentaires sont désactivés. Je suis juste là pour partager mes vidéos et pour répondre à certaines de vos questions si vous en avez. Mais en ce qui me concerne, pour moi, la boucle est bouclée et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bisous à vous.